Kilmer. S'il te plaît, promets-moi de le laisser mourir. Hein? Mais non, mais tu sais pas ce que tu racontes, ma chérie. Non, non, je te parle très sérieusement. Je comprends que tu sois confuse avec tout ce qui s'est passé. Je sais que tu souffres beaucoup pour tout le mal qu'il t'a fait. Mais enfin, mon Dieu, mon amour, rends-toi compte de ce que tu me demandes. Non, Gabino est une ordure. Il ne mérite pas de vivre, non. Mais ce n'est pas à toi d'en décider, ni à moi non plus. Ah non. Non. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi, subitement, sa vie est entre tes mains. S'il te plaît, Edmundo, c'est que tu dois essayer de me comprendre. Je ne peux pas vivre comme ça avec cette peur permanente, en sachant que Gabino peut se lever et peut venir me frapper. Chut. Je ne sais quoi, elle ne fichera pas la paix jusqu'à qu'il crève. Excuse-moi, mais Ingrid, excuse-moi. Mais crois-moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Gabino survive. Non seulement parce que c'est mon devoir de médecin, ma chérie, mais aussi parce que c'est la seule manière d'aider Damian. Ah voilà, je vois. Pour toi, Damian est plus important que moi. Non, bien sûr que non, mais je ne te comprends pas et je n'aime vraiment pas du tout t'entendre parler de cette manière-là. Oublie ce que je te dis, Edmundo. C'est comme si je t'avais rien demandé. C'est comme si... Ma chérie, indépendamment de ce qui va se passer, tu sais que tu peux compter sur moi. Gaël et moi allons toujours te protéger, mon amour. Bon, ça va, ça va, ça va. Ne me touche pas. J'ai besoin d'un moment pour être seule. Ça va. Chérie. Non, Edmundo, laisse-moi seule, s'il te plaît. Sors. Ah. Alors, comment va ma future épouse? Elle est la plus belle maman de la Ermita. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette tête? Ah, il se passe quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Elisa et Gaël sont venus parler avec ton père et il a annulé tous ses rendez-vous de la journée. Et alors, ils sont partis d'ici en catastrophe. Rien, calme-toi, Paloma. T'inquiète pas comme ça, si mon père est parti, c'est sûrement qu'il avait une urgence avec un patient. Non. Non, je suis sûre qu'il s'agit d'autre chose cette fois. Gaël m'a dit que moins j'en saurais, mieux ce serait. Ah bon sang, on dirait bien que il ne reste plus qu'à attendre d'avoir des nouvelles, pas vrai? C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Je suis restée scotchée ici et je... Attends, ça va, calme-toi, Paloma. Changeons de sujet. Raconte-moi, comment va ta grand-mère? Est-ce qu'au moins elle est rassurée maintenant qu'elle sait qu'on va se marier tous les deux? Non. Non, Enrique. Je crois qu'au fond, ma grand-mère sait très bien que je lui ai menti. Ce n'est pas facile de mentir à ma grand-mère. Quand j'étais petite, elle le devinait toujours quand je m'attirais des ennuis. T'inquiète pas comme ça. Ça restera toujours entre nous. Que ce soit pour ta grand-mère, pour Gaël ou pour tout le reste du village. Cet enfant sera le mien. C'est si étrange, Enrique. Et si merveilleux en même temps de... De savoir que là... Que là, à l'intérieur de moi, un bébé grandit. Ma grand-mère m'a dit que j'étais peut-être en train de prendre une mauvaise décision. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Non. Moi, je suis sûre de ce pas qu'on est en train de franchir. Mais à vrai dire, j'ai peur que toi, tu le regrettes un jour, Enrique. Arrête, Paloma, arrête avec ça. Ça n'arrivera jamais, je te le promets. Écoute, je suis tellement heureux quand je me dis que je vais finir ma vie avec toi. Et puis, je suis aussi très fier et honoré que tu deviennes mon épouse. Où tu vas comme ça en courant? Je pars accompagner ma petite Elisa au centre médical pour ne pas la laisser toute seule. Comment? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Ah, madame, comme si vous vous inquiétiez vraiment pour votre nièce. Oh. Mais Elisa va bien, grâce à Dieu. Mais peut-être que ça vous intéresse de savoir que votre ami ou votre associé ou votre amant, je ne sais pas ce que ce Gabino Mendoza est pour vous, est gravement blessé parce qu'il a reçu une balle dans la tête. Damian Arango lui a tiré dessus en légitime défense. Je pensais que toi et Enrique, c'était terminé. Tu vois bien que non. Écoute, Gaël, c'est pas parce que toi et moi, on est associés et qu'on travaille ensemble que ça veut dire qu'on va devenir amis. C'est toi qui as mis une barrière entre nous, dès le départ. Oui, oui, Enrique, tu as raison là-dessus. Eh bien, félicitations.
Et vraiment, Paloma, j'espère que tu trouveras chez Enrique ce que tu recherches. Je suis sûre que ce sera le cas. Enrique a tout ce qu'une femme désire trouver chez un homme et... Et pour la première fois. Pour la première fois depuis très longtemps. Je suis comblée. Eh bien, vous formez un joli couple. Merci beaucoup, Gay. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé voir Ramona, pour demander la main de sa petite fille. On va se marier, qu'est-ce que t'en penses? Qui c'est? Alfonsina, ouvre la porte. C'est bien toi qui m'as dit que tu ne voulais pas avoir de sang sur les mains et que, quoi qu'il arrive, jamais tu n'attendrais à la vie de Gabino Mendoza. Tu n'as cessé de répéter que ce que tu voulais, c'était la justice. Je n'ai pas changé d'avis, madame. Ne me mens pas. À quoi est-ce que tu joues avec moi? Je ne vous comprends pas. Tu m'as parlé de l'existence de ces billets alors que tu savais que je ne pouvais pas les réclamer à Gabino. Vous êtes allé le voir? Je reviens juste de chez lui et je sais ce que tu lui as fait. Tu lui as tiré dessus avec ton arme. Gabino est mort, non? Non. Tout ce que je sais, c'est que son état est très grave. Il est au centre médical. Et que ce n'est pas dit qu'il survive. Je ne suis pas tiré dessus, madame. Et vous savez parfaitement que je ne sors pas de ce cimetière. J'ai pas intérêt à ce qu'on sache que je suis vivant, et vous le savez très bien. Si ce n'est pas toi, alors qui est? Je sais pas. Mais bon, au lieu d'être contrarié comme ça, vous devriez vous sentir tranquille, satisfaite. Enfin, c'était pas ce que vous cherchiez, hein? Que quelqu'un se salisse les mains pour vous et revoie ce Gabino Mendoza dans l'autre monde. Non. Tu ne me félicites pas, Gaël? Je trouve très bizarre ta décision de te marier avec Enrique. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Je dois continuer ma vie, Gaël. Pourquoi ça serait bizarre? Je veux dire, si Paloma et moi on va se marier, c'est à cause de... De l'immense amour que nous nous portons, parce que nous nous aimons très fort. Je ne te crois pas. Toi et moi, on se connaît, Paloma. Et tu n'es pas amoureuse d'Enrique. Gaël, si tu crois que je suis avec Enrique, juste pour t'oublier, eh bien, ne te crois pas aussi important. Parce qu'entre nous, c'est fini depuis longtemps. Bon, eh bien, alors encore toutes mes félicitations. Merci. Et maintenant, tu peux me dire ce que vous fabriquiez, Elisa, le docteur Tovar et toi? J'étais très inquiète, Gaël. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Eh bien, c'est une longue histoire qui s'est mal terminée, mais bon, pour résumer... Damien a essayé de défendre Ingrid et il a tiré sur Gabino Mendoza. Eh bien, pas très bien. Mais je suis vraiment content que tu sois venu me voir. Merci beaucoup. Je ne peux pas te laisser seul. Ne t'en fais pas, mon avocat est en train de se charger de tout. Ils vont fixer une caution et je vais sortir très vite d'ici. Que Dieu t'entende, Damien. J'ai peur qu'il t'arrive la même chose qu'avec mon père quand il t'a tiré dessus par accident. Il est resté plusieurs jours ici avant que la caution ne soit fixée. Je suis désolé pour Florencia et surtout pour ma mère qui va devoir annuler la grande fête qu'elle a préparée à l'occasion de notre mariage religieux. Tu dis ça comme si tu ne voulais pas te marier? Je n'ai jamais voulu de ce mariage religieux, Elisa. Je ne voulais pas mentir devant Dieu et unir ma vie à une femme que je n'aime pas et que je n'arriverai jamais à aimer. J'étais d'accord avec le mariage civil, mais rien de plus. Mais aussi bien Florencia que ma maman ont trouvé le moyen de me mettre la pression et d'arriver à leur fin. Eh bien, je trouve ça dommage que tu te laisses encore manipuler par ces deux-là à ce point. Surtout par ta mère. J'ai dû renoncer à certaines choses qui étaient très importantes pour moi. Pour t'aider et je ne le regrette pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et je n'aime pas non plus que tu m'utilises comme excuse. Je ne t'utilise pas.
La seule manière qui m'a permis de convaincre ma mère de ne pas intenter d'action en justice pour te retirer ta sœur a été d'accepter ces conditions. Elle m'a demandé de rester vivre à la Ermita et de consentir à me marier religieusement avec Florencia. Crois-moi, Elisa, ça m'est égal d'être condamné à la tristesse toute ma vie. Si je sais que tu es bien, et surtout que tu es heureuse. Je ne t'ai jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit pour moi. Tu n'avais pas à me le demander. Je le fais spontanément. Je veux t'aider, même si ça te gêne. Pardonne-moi, Elisa, mais j'aime prendre soin de toi et savoir que tu es bien. Tu ne dois pas te sentir responsable de moi, Damian. Toi non plus. Et cependant, tu es la première à venir ici m'apporter ton soutien. Ça signifie que même si tu le nies, tu continues de m'aimer. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être amis. Puisqu'on se connaît depuis qu'on est enfant, et ce que tu viens de faire pour la mère de Gaël, on t'en sera toujours très reconnaissant, Damian. Je suis satisfait d'avoir pu vous aider tous les deux. Et malgré tout ça, vous restez mes amis. Et vous le serez toujours. C'est très bien que tu le prennes toi aussi de cette manière. Fais comme si je m'étais chargé de ne pas te faire perdre ta sœur au nom de cette amitié qui nous unit. Tu es vraiment trop bête de te laisser duper, d'accepter de te marier à l'église si c'est une chose que tu ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe, Elisa? Tu me le reproches comme si ça te faisait mal et franchement, je ne vois pas pourquoi. Finalement, tu es sur le point de faire ta vie avec Gaël et tu m'as assuré que tu allais te marier avec lui en étant profondément amoureuse. Tu mentais. Ce qui arrive est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, Elisa. J'ai le prétexte pour ne pas mentir face à l'hôtel et... Et toi, Gaël, vous allez pouvoir vous marier le week-end prochain, sans que rien n'assombrisse votre mariage. Comment on va, Ingrid? Bien. Bien, elle va bien. Et Gabino? C'est encore trop tôt pour le dire, mais stable. Le docteur Tovar fait le maximum pour que ta situation légale ne se complique pas davantage. Ne t'en fais pas pour moi. Retourne à la Ermita avec Gaël et fais tout pour être heureuse. Et oublie-moi, Elisa, parce que nous sommes quittes maintenant. Pourquoi tu pleures comme ça, Elisa? Qu'en ce moment même, mon esprit, mon âme, mon cœur, absolument tout me supplie de ne pas te... Damien? Damien, je suis venue dès que j'ai appris la nouvelle. Puisque tu n'es plus seule, je te laisse désormais avec ta femme. Elisa, merci de lui avoir tenu compagnie. Au revoir, Elisa. Ah, Gaël. Dolores, bonjour. Bonjour, Gaël. Et ma petite Elisa? Je pensais qu'elle était avec toi. Non, non. Elle est partie voir Damian à Mérida. C'est pour ça que tu fais cette tête? Tu es jaloux, n'est-ce pas? Non, non, Dolores, tu te trompes. J'ai confiance en Elisa. Et en plus, Damian a sauvé la vie de Madame Ingrid. J'ai une grande dette envers lui. Gaël, très sincèrement, je suis vraiment désolée de ce qui arrive à ta maman. Et je veux que tu saches, hein, que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Je le sais, merci. Docteur, comment va Madame Ingrid? Bon, on l'a transférée dans une chambre et elle s'y repose. Elle est complètement à bout de nerfs. Et elle a refusé de prendre un autre calmant. Est-ce que je peux aller lui tenir compagnie? Oui, bien sûr que oui. Bon, et après j'irai prévenir le père Loupé, parce qu'il n'est au courant de rien de tout ça. Hein? Oui, Gaël. Excusez-moi. Comment va Gabino Mendoza? J'ai appris en allant chez lui qu'il avait reçu une balle dans la tête.
Il est vivant ou il est mort? Pour le moment, son état est très grave, mais ses signes vitaux se maintiennent. Un neurologue est sur le point d'arriver de Mérida pour l'examiner et déterminer si une chirurgie est faisable pour extraire la balle. Mais il faut savoir que dans la majorité des cas, ce type d'intervention est extrêmement dangereux. Arrête tes palabres de médecin. Est-ce que Gabino va survivre? Pour le moment, je ne peux pas te le dire avec certitude, Alfonsina. Il est très probable que Gabino survive. Mais il peut présenter des traumatismes cérébraux qui affectent sa motricité ou le langage. Il est aussi possible que cette balle n'ait affecté, mais je n'en suis pas sûr, aucune fonction cérébrale. Et à son réveil, bon, il peut être en parfait état. En fait, il existe des preuves de nombreux cas où les patients poursuivent une vie normale après une lésion de ce type. C'est-à-dire qu'en résumé, tu ne fais rien du tout. Je te répète qu'il nous faut attendre l'examen du spécialiste de Mérida avant de faire un diagnostic pertinent, Alfonsina. Bon, et qui lui a tiré dessus? Comment, vous ne le savez pas, madame? Madame, je téléphonais chez vous pour prévenir de ce qui se passait avec votre fils. J'ai laissé un message à Antonia. Mais je ne l'ai pas encore vu. Et je ne comprends pas le rapport entre mon fils et tout ça. Vous pouvez me dire qui a tiré sur Gabino? C'est justement ton fils. C'est Damien. Damien? Non. Mon Dieu, mais... Et où est-il? Calme-toi, voyons. Pour l'instant, il est en détention au ministère public de Mérida. Mais il faut que tu restes calme. Je suis sûr que les choses vont finir par s'arranger. Je dois aller voir mon fils. Madame. Oh, madame. Attention. Madame. Madame. Je me suis rendu compte qu'Elisa était en train de pleurer. Et tout près de toi. Pourquoi? C'est normal, Florencia. Elle est très nerveuse. Cette journée a été très stressante et très difficile pour nous tous. Je crois que je suis arrivée au mauvais moment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle était sur le point de te dire quelque chose d'important. C'est pour ça que t'es inquiet, n'est-ce pas? Ou non? On peut changer de sujet. À chaque fois qu'on parle d'Elisa, on finit par se disputer. Non. Excuse-moi. S'il te plaît, je n'ai pas l'intention de me disputer avec toi. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, à aucun moment, je ne t'ai reproché à toi, ou à elle, d'avoir été ensemble. Au contraire, je l'ai remercié de sa présence. Je ne peux pas imaginer l'angoisse que tu dois ressentir, ici, enfermée, seule. Oui, Florencia. Et puis ici, c'est comme vivre un cauchemar. Et le pire de tout, c'est que je ne pense pas être libéré pour la fin de la semaine. Il est fort probable qu'on soit obligé d'annuler notre mariage religieux et la grande fête qui va avec. C'est vraiment dommage. J'avais beaucoup d'attentes pour le jour de notre mariage. Tu sais, pendant des mois, je l'ai attendu parce que justement ce jour-là, Damien, nos vies allaient changer définitivement. Je regrette, Florencia, mais je ne peux vraiment rien y faire. Ne t'en fais pas. Vraiment, ne t'en fais pas. L'important, c'est toi. Et l'important, c'est que tu règles ce problème et que tu sortes d'ici. Hmm? Qu'est-ce qu'il y a, Florencia? Tu prends l'annulation du mariage beaucoup mieux que ce que je pensais. Crois-moi ou non, Damien. Je suis de ton côté. Je te jure que tu peux compter sur moi. Il faut juste voir comment réagit ta mère.